Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de rois? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tous alliés le mot? Que Dieu vous bénisse abondamment. Zambe apambola mino koleka. Et joyeux anniversaire. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Dis à ton voisin que le Seigneur t'aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Il ne faut pas être triste dans la maison de Dieu. Mais bien-aimé, je voudrais te rappeler quelque chose. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui que le Seigneur est ici présent. Je sens la présence glorieuse de notre Dieu. La Bible dit, lors du dédicace du temple de Salomon, pendant que Salomon priait, il disait que même les serviteurs ne pouvaient plus faire le service à cause de la présence glorieuse de Jésus-Christ. Et je sens cette présence ce matin. Voilà pourquoi une église n'est pas une morgue. C'est une église vivante. Notre Dieu n'est pas parmi les morts, il est parmi les vivants, et en ce moment il se tient à la droite du Père. Voilà pourquoi il mérite des acclamations ce matin. Acclame l'Éternel des armées très fort. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je tiens à remercier d'abord l'auditoire. Vous savez, il y a deux choses qui attirent la présence de Dieu sur l'autel. La louange, l'adoration et les sacrifices. Ce sont ces deux choses qui attirent la présence de Dieu. Lorsque vous louez Dieu, vous l'adorez, il descend et il doit parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Dieu doit parler pour votre vie. Il doit parler pour votre destinée. Nous avons chanté. Nous avons dansé. Nous l'avons adoré. Maintenant, c'est le temps d'écouter notre Dieu. Vous ne voyez pas Joseph du haut de la chair. Mais regardez qui est Joseph et le canal inutile auquel Dieu va passer ce matin. Dieu va vous parler ce matin. Et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez, un enfant de 2 ans mange les aliments solides. Amen. Amen. Il y a un temps pour la bouillie. D'abord, il y a un temps pour le lait maternel. Un temps pour la bouillie. Et le temps, un temps aussi pour les Salima Soli. Aujourd'hui, vous allez me supporter. Parce que je me rends compte qu'un enfant de 2 ans peut manger facilement le foufou, du riz, sans faire la constipation. Et aujourd'hui, je serai trop prophétique. Je vais vous donner les aliments solides qui conviennent à un enfant de 2 ans. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le bien-aimé, je ne te sens pas. Vous savez, la manière dont tu es en train d'acclamer Dieu, c'est comme si un bourgmestre était parmi nous. Mais il faut comprendre que celui qui est parmi nous, il est plus que même le chef de l'État. Il est plus que même le roi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant. L'Ancien des Anges. Le maître des temps et des circonstances. Lorsque je viens ici à l'église, je me vois petit. Je suis gradé parce que je suis devant mon Créateur. Je suis en train de trembler parce que je suis en train de parler de sa part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse abondamment. Parce que tout à l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu. Je tiens également à remercier notre invité de marque, Maman Laure.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Non seulement que Dieu bénisse maman, avec l'ensemble de son staff. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, lorsque vous avez une invitation, et que cette personne répond à cette invitation, non seulement c'est une manière d'honorer son Dieu, c'est une manière aussi de t'honorer. La maman nous a honorés, les invités présents nous ont aussi honorés, et les papas aussi nous ont honorés. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment, papa. Amen. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Je demanderai successivement au papa, à papa John, à papa Innocent, à papa Didier, de faire une déclaration. Parce que mon sous-thème ce matin, c'est les déclarations prophétiques. Nous sommes en train de parler sur la traversée de l'année 2018. Dénommé un peuple condamné à la liberté. Dis à ton voisin que tu es libre. Parce que cette année, c'est une année de liberté. Pendant que Maman Laure était en train de chanter, elle a prophétisé même sur ta vie. Mais tu étais distrait. Amen. Il nous reste tout simplement 6 mois. Dis à Dieu que je voudrais voir tes merveilles. Pendant les 6 mois qui nous restent, et je sens une visitation terrible parmi les enfants de Dieu. Si tu ne le crois pas, ne dis pas amen. Mais si tu le crois, dis amen très fort. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, l'autre jour, Papa Innocent nous avait révélé un mystère lié sur le maïs. Il nous a démontré qu'il y a deux sortes de maïs. Il y a le maïs que nous mangeons. Et il y a aussi le maïs qu'on appelle le maïs de pop-corn. Lorsque vous le mettez dans une casserole, vous mettez les huiles, vous allez vous rendre compte que le maïs que nous mangeons sont lourds. Mais par contre, le maïs de pop-corn, plus le maïs est chauffé, plus il devient souple, plus il commence à sauter, il commence à dire alléluia, il est le Dieu des armées. Si réellement tu es le maïs de pop-corn, acclame-toi pour le roi de rois. Amen. Et je voudrais te faire entrer de sauter pour Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Zambé à Pambola. Fais-moi voir ta gloire. Papa John. Papa John. Si vous pouvez faire une déclaration pour les enfants de Dieu. Bien-aimés, soyez connectés. Suivez très bien la déclaration de Papa John. Bolanda. Merci. Amen. Selon la Bible dans Ésaïe chapitre 43 verset 18-19, la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Voici une chose nouvelle va être sur le point d'être accomplie. Jourdain, écoute-moi. En ce jour d'anniversaire, Dieu te dit, ce jour c'est un temps de faveur pour toi au nom de Jésus-Christ. Car Dieu ouvre une nouvelle page. La faveur veut dire une nouvelle porte s'ouvre pour toi. Les anciennes choses passent et tu as l'opportunité d'entrer dans de nouvelles choses. Laisse que tout ce qui était médiocre dans ta vie, Jourdain, puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ce matin, Jourdain, sous la direction du révérend Joseph Kalakwa Lokol, que maintenant s'ouvre
une nouvelle page pour ton histoire. Que maintenant s'ouvre le temps de faveur pour toi. Ce qui est impossible hier pour toi, à partir de maintenant, je déclare que cela devienne possible au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ce qui était difficile hier, à partir de maintenant, que cela devienne facile pour toi au nom de Jésus-Christ. Car on va parler de grandes assemblées dans ce pays et dans cette ville. Journée, tu vas être compté parmi les grandes assemblées. Journée, parmi tes collègues, tu vas être distingué. Journée, tu ne mourras pas. Journée, tu iras de gloire en gloire. Maman leur a dit, si vous êtes reconnaissant, Dieu va vous ajouter encore. Journée, tu accomplis 2 ans. Nous voulons venir célébrer tes 10 ans. Nous voulons venir célébrer tes 50 ans. Et que Dieu vous amène de gloire en gloire jusque dans l'éternité. Je déclare pasteur Joseph béni. Rentre dans ton temps de faveur. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dis très fort amen. Acclamons le Seigneur très fort bien aimé. Merci. Parce qu'il est écrit, ainsi vous bénirez le peuple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Jourdain, tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Je vois une grande pluie de bénédictions en train de se répandre ici. Une grande moisson. Tu es béni, Jourdain. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que l'Éternel t'accorde la faveur. Que tu sois béni tous les plans. Puisse prospérer à tous égards. Que la main de l'Éternel t'accompagne, Jourdain. Que rien ne résiste devant toi. Tant que tu vivras. Que l'Éternel puisse faire de toi son œuvre. Lui qui a le pouvoir dans sa main d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il puisse t'agrandir et t'affermir. Que tu ne manques de rien. Oh Seigneur Dieu, j'ai béni Jourdain, Seigneur, en ton nom. Béni ton serviteur Père, le pasteur Joseph, qu'il soit le berger de ses troupeaux, Seigneur. Que tu lui donnes l'équipement qu'il faut, Seigneur, pour pouvoir faire le travail, Seigneur. Nous l'offrons à toi, Seigneur. Et nous bénissons Jourdain au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime bien, avant de prier, adorer le Seigneur. Yahweh, Nabika moi, Sembola, Loboko Nayo, Batonyon Soba Mona Yango, Bakumisa Kombona, Eh Yahweh. Yahweh Nabika moi, Sembola Loboko, Bamona Yango, Misa Kumbona Yo, Zambe Nanga Yo, Natute la Katolo, Sembola Loboko Nayo. Elonga na yo etambola na biso bato nyonso batatula yango Yahweh. Yahweh nabeka moi sembola loboko bamona yango Zambe ya lola, Zambe ya bokasi nyonso. Makomina yo ezali koloba malamu suka ya likambo ke bandeli ya likambo. Tomoni pe totalaki
peto monaki nzambe mukolo musala oyo ebandaki lolenge nini ebandelaki nzambe ebandaki na yo puisque yo mitel sakina libande kolo nzambe na pomo na yebiete yesu watu ata ekeina kokweya na ebandele na yango il n'y a pas tellement de dégâts mais seigneur na muzindo seigneur il y a de pertes il y a vraiment seigneur jésus des inquiétudes ce qui boit tout et zali ko kende na mai muzindo na zali ko abete seigneur jourdain azali ko kende ko kende sasa ipi na kati na muzindo bipai ba mbonge zali bipai ba vague zali zambe a pomoy zambe na pomoy ezali moma oyo aujourd'hui aza na posa na yo kolo telemant nzambe ozala mobateli ya jourdain ozala mosungi ya jourdain ozala bouclier mpona jourdain ozala vraiment seigneur mire ya défense mpona jourdain nayebi ete nzambe tokomi kokende na moma oyo basambala bato bisha bakotelema bahypokrite bato ya motema mabe bakoya mpona koekrule mosala oyo me nzambe yayo bakwesaka ngo te yayo bakwesaka ngo te yango makomi na yo ezali korasire biso ete nzambe oyo esimbami na loboko na yo ata moko te azali ni makoki ya kolakela ngo mabe te ni ya kokwesa ngo nzambe juda ekende liboso nzambe ebota lisusu basali ya nguya awa bapotre babima awa bayembi ya nguya babima awa baevangeliste ya nguya babima awa nzambe na bomoi banyonso bakoya pour ne pas nous accompagner seigneur à l'accomplissement de ton œuvre écarté bango na victoire na biso ozanza bomor mimonisaka na nyonso tobondeli yo boye lokola mutu moko tolobi gloire à toi seigneur jésus christ gloire à toi seigneur jésus christ acclamons très fort pour le roi des rois. Bien aimé, je vous demande de vous tenir debout parce que nous allons lire la parole de Dieu. Rapidement, nous lisons la parole de Dieu. Une manière d'honorer la parole de Dieu. Prenons Genèse 15, verset 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraita pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Inclinons notre tête dans la prière. Tendre Père, nous te recommandons ce moment solennel entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur, que moi j'ai diminué, toi tu croisses. Parle à ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Bien-aimés, est-ce que vous êtes dans la joie? Aujourd'hui, c'est le jour des fêtes. S'il y a quelqu'un qui est pressé, donc nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons parler sur les déclarations prophétiques. Ça, c'est mon sous-thème. Mais le grand thème, c'est la traversée de l'année 2018, dénommée un peuple condamné à la liberté. Bien-aimé, pourquoi nous parlons de la traversée? Parce que la traversée a permis à Israël de devenir une nation. Cette traversée a permis à Israël d'entrer dans son héritage. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait dit que cette année, c'est une année de restauration. Nous allons traverser cette année et c'est une année aussi de témoignages. La traversée va nous permettre d'entrer dans notre héritage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais écoutez ce que Genèse nous dit. Le Seigneur avait dit à Abraham, évidemment tu auras des enfants, tu auras des petits-enfants, tu es un grand père, de toi sortira une multitude de nations. Mais écoute ce qui va arriver dans l'avenir. Tes enfants seront esclaves dans un pays étranger.
ils seront maltraités. Mais moi, le Seigneur des armées, je vais les délivrer et je jugerai cette nation. Cette nation qui va dominer sur mon peuple. Bien-aimé, imaginez maintenant, regardez un peu ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es dans quelle sorte d'esclavagisme. Mais ce qui va plus nous inspirer ce matin, c'est cette déclaration. Ou cette déclaration que les femmes de notre père Jacob disait lorsque elle mettait au monde. Donc d'une manière prophétique, vous prenez cette femme qu'on appelle Léa. Léa, c'était une femme physique. Et son mari, c'était un prophète, un grand prophète, qui est l'image de Dieu lui-même. Vous prenez Léa, vous prenez aussi Israël comme épouse de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble. Bien aimé, il faut comparer les choses. Vous allez voir toutes les déclarations faites par cette femme. Se sont accomplis par la suite. Parce que c'était poussé par le Saint-Esprit. C'était des déclarations de Dieu. Même elle-même ne se rendait pas compte que c'était poussé par le Saint-Esprit. Elle faisait des déclarations. Mais c'est quoi la petite histoire, bien-aimée? Notre père Jacob avait deux femmes. La première, c'était Léa. La deuxième, c'était Rachel. Mais Jacob aimait plus la petite sœur. Jacob n'aimait pas la grande sœur. Parce que son choix, c'était la petite sœur. On lui donne deux femmes. Mais Jacob était plus attaché à la deuxième. Comme elle était plus attachée à la deuxième, chacune des femmes avait ses servantes. Imaginez bien aimé un homme qui a deux femmes. La première femme est délaissée. Abandonné par son mari, elle avait des moments difficiles. La nuit, elle dort dans le chagrin. Le matin, elle se réveille dans les larmes. Tout simplement parce que son mari ne l'aime pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que son mari ne l'aime pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette fois pour le roi des rois? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, posez la question aux mamans. Ou aux familles polygames. Lorsque papa a deux femmes, et qu'il est plus attaché à l'autre femme, surtout lorsque la première femme est délaissée, elle se sent humiliée. Je suis en train de me mettre à la place de cette femme, Léa. Nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Prenons Genèse 30. Nous allons voir maintenant la déclaration de Léa. Genèse 30, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il l'a rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Léa commit Nazem. Elle accoucha d'un fils. À qui elle donna le nom de Ruben. Car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. On a chanté pas pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut décoller, bien-aimé? Suis-moi attentivement. Parce que ça, c'est poussé par le Saint-Esprit. Cette femme va enfanter un fils. Lorsqu'elle met au monde un fils, elle a dit, sûrement, mon mari a vu mon humiliation. Je suis en train de me mettre à la place de cette femme qui se sentait humiliée par sa soeur et sa servante aussi. Sûrement, on est en train de la provoquer chaque jour. Parce que son mari aimait plus la petite sœur.
Vous savez, lorsque vous avez deux femmes, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la jalousie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de la jalousie. Donc je me dis que cette femme était humiliée par sa petite sœur et la servante de sa petite sœur. Lorsqu'elle a mis au monde, elle a dit que mon mari a vu mon humiliation. Sûrement à travers mon fils que je viens de mettre au monde, mon mari m'aimera. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Là, nous allons maintenant 500 ans plus tard. La réalisation de cette prophétie. Si vous suivez très bien toutes les déclarations de Léa, c'était des prières qu'elle faisait à travers son mari. Elle demandait de l'amour de la part de son mari. Elle demandait l'affection de la part de son mari. Alors plus tard dans l'esclavagisme, la première réalisation de cette prophétie, la Bible dit qu'Israël qui était dans l'esclavagisme, qui était humilié à chaque moment, maltraité à tout moment, Israël a dit ceci. Israël a lobby. La même réaction avec Léa. Israël a dit que le Seigneur a vu mon humiliation. Israël a lobby Nzamba tali kokitsa mananga. Parce que Jacob a vu l'humiliation de son épouse. Jacob a quelque hôtel, ça m'a coûté la maman sina. Mais l'humiliation n'a pas attiré l'attention de son mari. Mais cette fois-ci, Israël avait affaire à un mari responsable. Israël a quelque chose à consoler mon mari. Est-ce que tu peux la mettre fort pour le roi de rois? Ma boko pour mon conzi na ba conzi. Amen. Amen. L'autre là, avait un mari, mais apparemment il n'était pas responsable. Malgré que sa femme était humiliée, mais cela ne disait rien à son mari. Mais lorsque Israël était dans l'esclavagisme, Israël a fait la même déclaration. Ici, je parle d'Israël comme l'épouse de Dieu. Mais là, d'une manière prophétique, Israël parle à son mari. Tu as vu mon humiliation. Le Seigneur a vu, c'est ça l'accent. L'accent est mis sur voix. Le Seigneur a vu. Alléluia. Le Seigneur a vu mon humiliation. Je ne connais pas ton problème ce matin. Peut-être que tu te tourmentes beaucoup. Tu te poses beaucoup de questions. Toutes les prières que j'ai faites, sans réponse, sûrement le Seigneur ne m'aime pas. Sûrement le Seigneur ne me voit pas. Mais laisse-moi te dire ceci. Toi en tant qu'église, toi en tant qu'épouse de Dieu, tu as un mari responsable. Il voit ton humiliation et bientôt il va faire quelque chose dans ta vie. On acclame très fort pour le roi des rois. Là, l'accent est mis sur à vue. Le Seigneur a vu mon humiliation. Deuxième chose qui arrive à Léa, elle va mettre au monde un deuxième fils qu'on appelle Siméon. Lorsqu'elle met Siméon au monde, elle va dire ceci. Le Seigneur, nous allons lire 33 Genèse 30, 33. Elle devint encore enceinte. Elle accoucha d'un fils. Elle dit, le Seigneur a entendu que je ne t'ai pas aimé et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui a donné le nom de Siméon. Bien-aimé, ici l'accent est mis sur entendu.
Awa liloba etiami na ayoki. Le premier accent c'était de voir. Ya liboso ezalaki le Seigneur a vu mon humiliation. Zamba moni kochola mananga. Cette fois-ci il a entendu. Mbala oyo ayoki. Que je n'étais pas aimé par mon mari. La lingamaki na mobali na ngai. Sûrement mon mari va faire quelque chose. Ah mbala oyo mobali akosala. Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Est-ce que le Seigneur tu me vois? Si le Seigneur te voit, oh, y a solo nzamba zo mona. Mais tu es où? Mais pour réclamer quelque chose ou une intervention de la part de Dieu. Le Seigneur doit te voir quelque part. Israël était dans l'esclavagisme. Les deux déclarations faites par Rachel et par Léa. Ce sont les mêmes déclarations que Israël a prononcées. Le Seigneur a vu mon humiliation. Nous sommes maltraités. Nous sommes dans l'esclavagisme. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'esclavagisme, vous travaillez durement, mais pour ne rien obtenir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Peut-être c'est ce qui t'arrive aussi. Vous aimez beaucoup, mais vous récoltez peu. Parfois vous vous posez des questions. Vous passez des moments de prière. Vous allez à la montagne. Vous cherchez la face de Dieu afin d'être exaucé. Parfois tu te poses des questions. Est-ce que réellement Dieu existe? Laisse-moi te dire que Dieu existe. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu existe réellement. Il t'a vu. Il a vu ton humiliation. Il a entendu. Il a compris que tu n'étais pas aimé par les membres de ta famille, par la communauté, par les gens de ton quartier. Il a entendu. Mais maintenant, le Seigneur veut te délivrer. On acclame tes voix pour le roi des rois. Amen. Amen. Bien-aimé, Molingami, cette épouse, moi si oi, Israël, Israël qui était dans l'esclavagisme, oi, azaki na katabo, mais oh, elle était hors de sa maison. Azalaki libanda yandako na ye. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ba mama, alléluia. Amen. Bato ba outi na ba famille à polygame bayebi. Amen. Voilà. Vous savez, une femme, moi si, qui a un mari qui est polygame, ce qu'elle peut réclamer de son mari, c'est la présence de son mari à tout moment. Mais lorsque son mari est ailleurs, donc en quelque sorte cette femme est hors de sa maison, parce que la maison qui est une résidence principale, c'est là où réside son mari. Si le mari est plus chez la deuxième femme, donc cela veut dire tout simplement que cette femme est délaissée. Israël était hors de sa maison. Israël était délaissé parce que sa maison c'est Cana. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Amen. Imaginez, bien-aimés. L'esclavagisme a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Mais il y avait un mari responsable. La troisième chose qui arrive. Léa va enfanter encore un fils. C'est là où nous commençons notre enseignement. Alléluia. Il va maintenant mettre au monde un fils. Parce que ici l'accent est mis sur voir et entendre. Est-ce que le Seigneur a vu? Est-ce qu'il a entendu les cris d'Israël? Maintenant, un mari responsable doit intervenir rapidement parce que son épouse est délaissée, son épouse est humiliée et son épouse ne se sent pas aimée. La plus grande chose qu'une femme peut demander de son mari, c'est l'affection. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous pouvez donner à ta femme des véhicules, des richesses,
des maisons. Bandak. Mais si elle ne se sent pas aimée, so ki amili, alingamite, elle dira que je ne suis pas heureuse dans ma maison. Parce que lorsque le mari sort le matin pour rentrer, po azonga, il faut les pousser, il faut les bousculer. Parfois le mari oublie même sa maison. Il y a même des maris qui passent devant leur parcelle. Ils oublient qu'ils ont des femmes. Ils ont des enfants. C'est un mari responsable. Mais lorsqu'il va quelque part pour aller les récupérer, il faut une intercession agissante. Il faut chercher les hommes de Dieu qui vont intercéder pour que le mari rentre. Une semaine plus tard, le mari rentre. La femme qui appelle son pasteur. Papa Nzambe non a sali. Mon mari est rentré. Pour que le mari rentre. Le mari, le retour de mari est conditionné à une prière. Oh, pour mobali azong, esengeli mabonde li akafuka. On la crame très fort pour le roi de roi. Les familles polygames le savent très bien. Il y a des familles qui traversent des moments difficiles. Parce que c'est une famille polygame. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, le Seigneur va intervenir. Mais il va intervenir à travers qui? Il doit délivrer maintenant son peuple. Parce qu'il a vu, il a entendu, maintenant il veut intervenir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On acclame très fort pour le roi des rois. Amen. Maintenant, la Bible dit, Léa enfanta un troisième fils. Regardez la déclaration de Léa. Elle dit, pour cette foi, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. On acclame très fort pour le roi des rois. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi parce que je lui ai donné trois fils. La réalisation de la première prophétie, nous allons en Égypte. Maintenant, le Seigneur a vu, il a entendu, il veut maintenant délivrer son peuple. Le troisième fils qui arrive, c'est Lévi. Lévi qui signifie attachement. Oyo azali kolobama kokangama. La Bible dit, Biblia elobi, Dieu s'attache à l'alliance. Zambe akangamaka. Dieu s'est souvenu. Zamba yoki. Il s'est souvenu à l'alliance. Akanishi bokangami. Qu'il a conclu. Aya asalaki. Avec Abraham. Na Abraham. Avec Isaac. Na Isaac. Avec Jacob. Na Jacob. Il a dit que maintenant, alobi sasa ipi, moi Dieu, gai nzambe, je m'attache à l'alliance. Nazali kokanga mena. C'est le moment maintenant de délivrer mon peuple. Ezali eleko ya kokanga la libota na ngai. Oh. Okokaka ta kobeta maboko pona lokumu na nzambe. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, Dieu s'attache à l'alliance. C'est aussi le renouvellement de l'alliance avec Israël. Parce que Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu de son alliance. Il a dit que le troisième fils, prophétiquement, c'est Lévi. Lévi qui signifie l'attachement. Moi, Dieu, je m'attache à l'alliance. À travers de l'alliance que j'ai conclu avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Aujourd'hui, je vais libérer mon peuple. Bien aimé, laisse-moi te dire que notre Dieu s'attache à l'alliance. Il envoie Moïse comme sauveur. Or Moïse, c'est lui Lévi. Amen. Amen. Il envoie Moïse. Attendez Moïse. Je te donne une mission. La pression, mission. La mission que je te donne. C'est de ramener mon peuple. Dans son héritage. Na, oyo, ezali. Tu vas traverser la mer Rouge. Okay, à pied sec.
Parce que moi, ton Dieu, je m'attache à l'alliance que j'ai conclue avec ton père Abraham, avec Isaac et Jacob. Aujourd'hui, le Seigneur envoie quelqu'un, un messager, pour te dire que tu dois traverser cette année 2018 pour te permettre d'entrer dans ton héritage. Parce que notre Dieu s'attache à l'alliance. L'alliance que Dieu s'attache aujourd'hui, c'est l'alliance de sang à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut acclamer très fort pour le roi des rois. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, c'est aussi une image parlante des trois piliers de la foi. Vous avez notre père Abraham, vous avez Isaac, et vous avez aussi Jacob. Est-ce que toi aussi tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. Toi, tu fais des programmes, ce que tu vas faire demain. Quelle garantie que tu as que demain tu vas te réveiller en bonne santé? Tu fais ton programme, tu prends même ton agenda, tu écris. Demain à 10h, je serai telle part, telle part, telle part. Alléluia. Tu as une garantie pendant que toi tu ne gères pas ta vie. Tu n'es pas le gestionnaire de ton souffle de vie. Si tu pouvais mettre cette foi dans les choses de Dieu, tu seras un grand. Tu acclames tes fois pour le roi des rois. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, écoutez maintenant. Ici nous avons maintenant Lévi. Nous avons vu la déclaration. La déclaration de Léa. Elle a dit, je lui ai enfanté trois fils. Sûrement, mon mari s'attachera à moi. Au lieu que son mari s'attache à elle, on se rend compte qu'elle est toujours abandonnée. Mais d'une manière prophétique, en tant qu'Israël, en tant qu'épouse, se retrouve devant un mari responsable. Alors on voit maintenant Lévi qui arrive, qui va maintenant délivrer l'Israël. Vous savez, bien aimé, chaque passage contient des mystères. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Suivez très bien, bien aimé. Chaque passage des enfants d'Israël, la sortie, c'est Lévi. Parce que Dieu s'attache à l'alliance, il envoie un sauveur pour venir les délivrer. Ce matin, bien aimé, Dieu a envoyé un Lévi pour venir t'annoncer la liberté. Si réellement tu es condamné à la liberté, tu vas acclamer très fort pour le roi des rois. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien aimé, ça c'est le 40e fils. Le 3e fils. Alors, 4e fils. Léa enfanta Judas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il enfanta Judas. Ça c'est le 4e fils. Écoute ce que Léa a dit. Cette fois, je louerai l'Éternel. Si tu es là ce matin, si tu te reconnais enfant de Dieu, acclame tes fois pour le roi des rois. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Cette fois, je louerai l'Éternel. Quand je me pose la question, est-ce que Léa avait loué l'Éternel? Moi, je ne sais pas. Mais je vois l'accomplissement de cette prophétie. Pendant que Israël était dans l'esclavagisme, aucun jour Israël, d'une manière collective, a pu louer Dieu. Mais lorsqu'ils ont traversé Israël, les Israélites qui étaient dans la maison de servitude, les Israélites qui étaient dans la main de crainte de Pharaon,
Israël est passé de la crainte de Pharaon à la crainte de Dieu. Il est passé de la maison de la servitude à la maison de Dieu. Israël a traversé pour la toute première fois. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à louer Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Papa, pèse à maman leur micro. Pèse à un micro. Maman. La lingue est belle, biso kaka caporal la comi général. Pendant une minute seulement, vanda ka sami, tellement kaka wana ndengo sali. Église mobimba tozo yemba. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train d'imaginer cette traversée. Pendant que les enfants de Dieu traversaient, alors ils étaient en train de chanter. Vous savez, Josué hein, était un caporal. Après la traversée, il est devenu général. Caleb, hein, c'était un locataire. Après la traversée, il est devenu propriétaire. Wow! Maman Okoyemba, avec toute l'église, nous allons chanter comme si quelqu'un était en train de traverser la mer rouge de sec. Amen. Ah. Comme général. Locataire comme bailleur. Alléluia. Moi, le tinda comme patron. Ekoka mwisa Yosika bacho laki yo Kaka wane Zamba koto Haleluya Yosika bacho laki yo Kaka wane Zamba koto Tonito songe la kaka plas wana Haleluya Comme général, Nous sommes ensemble. Bien aimé pour la toute première fois. Israël d'une manière collective. A commencé à louer Dieu. Pendant qu'il était en train de traverser. Ce jour-là, je suis en train d'imaginer. Lorsque tu es en train de traverser l'année 2018. En train de louer Dieu. En train d'élever Dieu. Parce qu'il t'a visité. Parce qu'il t'a délivré. Il t'a délivré. Et nous allons les louer. Nous allons les témoigner.
témoigner. C'est un Dieu grand. Redoutable. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quelqu'un comprend le mystère? Toutes les déclarations faites par Léa se sont accomplies par la suite. Après près de 500 ans. Voilà pourquoi il faut faire attention. Lorsque tu mets au monde un enfant, qu'est-ce que tu fais comme déclaration? Tout part par ta déclaration. Si tu fais une déclaration négative, sache que cela va atteindre un jour ton enfant. Il y a même des familles, des mamans qui n'ont eu que des hommes. Pendant qu'elle est en train de chercher un garçon, un jour on lui dit à l'échographie que tu enfanteras un garçon. Sa grande surprise, c'est un garçon. Pendant qu'elle cherchait une fille, elle va faire une déclaration. Alléluia. Amen. Cela risque de provoquer des dégâts néfastes dans l'avenir de cet enfant. Vous allez chasser des démons, mais en vain. Vous allez détruire les hôtels ancestrales en vain. Tout simplement parce qu'il y avait une déclaration négative pour ta vie. Ou contre ta vie. Il faut faire attention. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait comme déclaration pour ta vie? Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ça, c'est le 4e enfant. Le quatrième enfant. Amen. Nous allons voir encore un autre enfant. Maintenant, le 4e enfant. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Nous avons vu Israël en train de louer le Seigneur. Israël se retrouve de l'autre côté. Maintenant, Rachel, elle a dit, moi, je cesse maintenant de mettre au monde. Je ne peux plus enfanter. J'ai eu déjà 4 garçons. Ça me suffit. Alléluia. Amen. Pourquoi il avait fait cette déclaration? Parce que pendant qu'elle faisait toutes ces genres de déclarations, mais il n'y avait rien de changé de la part de son mari. Son mari gardait les mêmes attitudes. Alors il dit que non, moi aujourd'hui, je ne peux plus mettre au monde. On a cette fois-ci, nous voyons Rachel qui va maintenant en profiter. La Bible dit que Rachel avait pour servante Bila. Amen. Alors, Rachel va prendre cette servante puisque elle était stérile. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Elle prend sa servante, elle donne ça à son mari. Alors la servante devient enceinte. Cet enfant qui va naître, ça sera un enfant de Rachel. Amen. Parce que l'autre, c'est une servante. Elle va mettre au monde de la part de Rachel. Alors la Bible dit ceci. Maintenant Rachel va profiter de cette occasion. Elle prend sa servante, elle donne à son mari. Son mari va avec la servante. Sa servante tombe enceinte. Alors, sa servante va mettre au monde un garçon. Maintenant, Rachel aussi va faire une déclaration. Dieu m'a rendu justice. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu m'a rendu justice. Il m'a rendu justice. Il a aussi entendu ma voix. Et il m'a donné un fils. On acclame très fort pour le roi de rois. Amen. Le nom de cet enfant s'appelle comment? Dan. Amen. Dan qui signifie tout simplement jugement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous allons voir maintenant l'accomplissement de cette prophétie. En deux points. Le nom de Dan signifie le jugement. Dan, la Bible dit que Dieu a jugé l'Égypte.
Et il a condamné l'Égypte. A condamné l'Égypte. La deuxième réalisation de cette prophétie. Il a jugé Israël. Il a rendu la liberté à Israël. Pourquoi Israël est un peuple condamné à la liberté? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La réalisation de cette prophétie. Il a jugé ses oppresseurs. Les Égyptiens, il les a condamnés. Parce qu'ils ont maltraité son peuple. Maintenant, la deuxième partie de cette prophétie, Dieu aussi a jugé Israël. Il a acquitté Israël. Mais laisse-moi te dire ceci. De la même manière qu'avec Jésus-Christ, un jour il était en train d'écrire sur le sol. On lui amène une femme qui était arrêtée par 5 bourreaux. Pris en flagrant d'adultère. On a commencé à l'accuser. Jésus-Christ est en train d'écrire. Il regarde ses accusateurs. Il continue à écrire. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train d'écrire? Il a demandé à ses oppresseurs. Il a dit, si un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il soulève sa main et la pluie de cette femme. Il rentre encore. Il est en train d'écrire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire tout simplement que Jésus avait acquitté, innocenté et puis pardonné. Que Dieu te bénisse abondamment. Sache que tu es un peuple condamné à la liberté. Dieu t'a déjà innocenté. Il t'a déjà acquitté. Même les membres de ta famille, lorsqu'ils sont en train de t'accuser faussement, même les membres de ta communauté, sache une chose, marche la tête haute. Que ton Dieu t'a déjà pardonné, il t'a déjà acquitté, il t'a innocenté. Ces gens-là ne savaient pas que la même main qui avait écrit les 10 commandements qui pouvait condamner cette femme. C'est la même main qui venait de changer la loi. Nous avons passé de la loi à la grâce. Et nous sommes grâciés. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Acclamons tes fort pour le monde. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu déjà a jugé tes ennemis. Vous savez, même dans notre église, hein, il y a 2 semaines que nous avons connu un vol ici. Un bien-aimé de l'église que nous avons reçu. Nous l'avons logé, nourri pendant une année. Nous avons tout fait pour lui. Un vendredi à 12h, il va voler les histoires de l'église. Moi j'avais dit ceci à Dieu. Le jour où je monterai du haut de la chair, le péché de ta part, c'est le jour où tu vas nous livrer ces voleurs. Yeah! Le Seigneur nous a livré ces voleurs. Zamba pesa ki biso. Amen. Nous avons un Dieu. J'ai compris que notre Dieu s'attache à l'alliance. L'alliance que Dieu a conclue avec son serviteur. Il a vu son serviteur en train de pleurer. Il a dit que je ne peux plus pécher. Un Dieu vivant. Pendant qu'on nous a volé à l'église. Et aujourd'hui, je suis en train de prêcher la parole. Le matin, j'étais en train de trembloter. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu demain? Jusqu'à maintenant, le Messie est introuvable. À 19h, on m'appelle dans le service de renseignement. Que a mis la main? Tosi, voleur. Tosi, Gloria.
Il est Dieu. Amen. Qui écoute ce que tu parfois dans la vie. Vous vous sentez coincé. Quelque chose. Les yeux d'alliance. Jésus au bout. Si tu ne viens pas maintenant. Il va intervenir. Wow. Voilà pourquoi je prêche. J'avais des sentiments. De joie. À un moment donné, j'ai dit, mais j'ai menacé mon Dieu. Que Dieu me pardonne. Parce que je l'avais menacé. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ta foi pour le Dieu? Amen. Amen. Bien-aimé, Moringami. Dieu a jugé ces voleurs. Zambe a laisse-moi te dire ceci. Il faut faire attention. Keba. Peut-être. Hein, il a déjà proposé le mariage à une de nos sœurs ici. Je ne sais pas. Toi-même, tu te connais. Imagine le monsieur qui t'a demandé le mariage. Hier, on l'a arrêté d'une manière spectaculaire. Il était à Maluku là-bas. Na Maluku. Caché. À Bombali. Quelque part. Dans un hôtel. Na hôtel moko. On a commencé à arrêter des gens. On a commencé à arrêter des gens. Parce que la. L'objectif c'était d'appréhender sa copine. On a eu sa copine. Par ruse aussi. Et puis on demande à sa copine, appelle maintenant ton copain. Ah benga ça c'est bien mobile na yo. Chérie yo. Chérie à mon tema. Yo ba problème que lui bala akuna pas à chérie mususu. Ah. Oza wapi yo? Oza wapi. On a sa koto yaka. Yaka. Moi cop mon ko ezali yo. Ezali yo. Pourquoi chérie za muyibi abako? Muyibi abako. Aye mbangu na moto ko kitazo kitazo. Namikaba. Batie ma boîte. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avons un Dieu. Tozana nzambe. Alléluia. Eh. Ce que Dieu a promis. Zambe oya pour cette année. Pour l'église de Jourdain. Le Jourdain. Cela va se réaliser. Et koko kisam. Alléluia. Amen. Parce que vous savez bien aimé. Vous savez, il y a des gens qui vous ont jugé. Par rapport à votre apparence. Par rapport à votre physique. Par rapport à vos connaissances. Mais ce qu'ils ont oublié. La manière de voir des dieux. Ce n'est pas la manière de voir des hommes. Ils ont jugé. Ils ont mis un point. C'est alors que Dieu maintenant va commencer quelque chose pour ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils t'ont jugé. Mais toi, tu es un peuple condamné à la liberté. Si tu le crois, dis très fort amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Dan qui signifie le jugement. Dan qui signifie le jugement. Dan ouais le bi kosambisama. Dieu a jugé l'Égypte. Il a condamné l'Égypte. De la même manière que Dieu va condamner. De la même manière que Dieu va condamner. Tes accusateurs. Et il va proclamer la liberté pour ta vie. Toutes les oppressions. Que tu endures. Cette année. Tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé. Je vais terminer par là. Je termine par Bila. Bila maintenant. Le deuxième fils de Bila. Donc Léa faisait des déclarations. Parce que pour parler des 12 enfants, j'ai d'ailleurs largement dépassé mon temps. Mais je voudrais terminer par un deuxième fils de Bila. Mais ici je ne parle pas de l'enfant de Bila. D'une manière prophétique, c'est l'enfant de Rachel. La Bible dit que cette servante devient enceinte. Elle va enfanter un garçon qu'on appelle Nephtali. C'est là où je veux clôturer mon enseignement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qu'on appelle Nephtali. Et Rachel dit, écoutez la déclaration Rachel de Rachel. J'ai lutté
divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. J'ai lutté divinement contre sa soeur, c'est qui? Sa soeur, c'est qui? C'est Léa. Bien aimé, plus tard. Première réalisation de cette promesse. Nous voyons maintenant Israël qui a traversé pendant qu'Israël marchait en train de chanter. Caporal a commis général, Mobola a commis Mosu, locataire a commis Mokolondaku. Ils étaient en train de chanter, adorer leur Dieu. La Bible dit que Amalek, c'est un devant Israël. Qui était Amalek? Amalek c'était le petit-fils d'Ésaü. Parce que leur père Jacob était jumeau. Son frère c'était Ésaü. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors Amalek était le fils de Ésaü. Maintenant les Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était des Israélites. Après la traversée, il devient Israël. Une nation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici, une nation maintenant. Maintenant, devant Israël, c'était une autre nation. C'est Amalek. Qui est la sœur, la nation sœur à Israël. Comme Brazzaville, c'est, on appelle la nation sœur, hein? Parce que vous voyez au Congo Brazzaville, il y a des Bakongo, il y a de Bangala. Apparemment, c'est comme si on avait un même père, hein? C'est comme si on avait un même père. Donc voilà pourquoi on appelle une nation sœur. Amalek c'était une nation sœur. Lorsqu'Amalek s'éteint devant Israël, comme nation, Israël a lutté maintenant Israël a bondi contre cette nation sœur. Et Israël a été vainqueur. Israël a vaincu Amalek. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse était du haut du sommet, de la montagne, en train d'intercéder pendant que les mains de Moïse étaient en haut, Israël était le plus fort. Lorsqu'il s'affaiblissait, Amalek était le plus fort. Mais cette fois-ci, nous voyons quelque chose. Bien-aimés, dans la vie, vous pouvez perdre la bataille, mais vous n'avez pas encore perdu la guerre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acceptez tout simplement ce qui vous arrive aujourd'hui, ce qui vous est arrivé hier. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce que tu as enduré l'année passée, ce n'est pas ce que tu verras cette année. C'est une année de restauration. Si tu le crois, dis très fort amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Première partie de l'accomplissement de cette prophétie. Amalek s'éteint devant Israël. J'ai lutté contre ma soeur et j'ai vaincu. Voilà pourquoi cette année tu monteras. Tu monteras encore plus haut. Tu seras encore très haut. Un homme bien placé. Vous savez bien aimé, hein? Dans la vie il y a ceci. La Bible dit que si tu es fidèle dans des petites choses, c'est alors qu'on pourra te confier de grandes choses. Ce que tu as là, c'est une grande valeur. Il faut la tenir très bien. Lorsque tu la conserves très bien, c'est alors que Dieu pourra te donner de grandes responsabilités. Mais à une seule condition, pour que Israël soit délivré, il devait d'abord atteindre l'âge de la maturité. Est-ce que tu as atteint l'âge de la maturité? Amen. Moi je vois des enfants ici quand ils conduisent des véhicules de leur papa. C'est l'hécatombe. Il ne sait même pas
Qu'est-ce que son père a fait pour obtenir cette voiture? Il va rouler à vive allure. Parce que vous ne connaissez pas sa valeur. Ce que toi, tu dois faire, si tu as une valeur entre tes mains, tu dois d'abord comprendre que c'est une valeur. Mais la plus grande chose que les gens n'arrivent pas à faire, c'est conserver cette valeur. Tu peux l'obtenir aujourd'hui et la perdre demain. Parce que tu n'as pas atteint l'âge de la maturité. Si tu atteins l'âge de la maturité, même le mariage, tu peux l'avoir aujourd'hui. Tu ne sais même pas comment il faut se comporter dans le ménage. Tu ne sais même pas comment il faut gérer ton mari. Il y a des femmes qui gèrent leur mari même à distance. Bien aimé, tu es devenu gouverneur. Oh, la police. Tu es devenu gouverneur. La police. Bien aimé, voilà pourquoi Basi Lelo Bakomo Bela ba AVC ba cardiaque. Ah. Parce que Bakomi ko gérer l'Ibanda. Voilà. Tu n'as pas le pouvoir de gérer les dehors. Oh, zana makoki akokende kota la ozali banda. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant tu es là en train de gérer. Tu commences à souffrir. Ton mari est en train de chercher de l'argent. Tu es en train de le maudire. Yo so la kele ma. Asaka kana Jacqueline Eroyo. Eroyo. Nzambe tango tozaki babola tozaka kutu bien. Boy, mbongo esila. Tango kutu tozaki ne biso na eloko te tozaka na biso bien. Alors kanga mbongo. Bien aimé, l'homme rentre à la maison. Tango mobali azongi na ndako. Il trouve sa femme. Akutu mwasi na. Il est souriant. Azo sec. Mais la femme azane longi lokwa soda ba pimele salaire pendant 3 mois. Bien aimé, moi ça kanga longi te. Amen. Moi ça kanga longi. Moi ça bonga na douceur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es la cadette de toutes les créatures. Ah. Hein? Yo bonga na douceur. Dépose à l'homme. Voilà pourquoi mi bali bele bazo ki mabino ba okende luka refuge. Au côté mon bali moko pa Jacqueline autour ya bio. Et ça lié de refuge. Et ça bisika mo pemel. Mo sous appelle na combo cité de David. David. Bo ba sokola kaye makolo kuna. Pasteur nos abi mususu akima kinda kuna ye. Sikoyo akena cité de refuge. Likangu po ke po ye papa na kende ko sikola za directeur d'entreprise mo kwa. Likangu azo meme na mukongo. Token. Bakena na kikosu. Token. Token. Papa. Token. Yo za yanga ko kitsa makolo te. Yo sikotango komi na ndako. Moi sa ta sapata zo chelote. Ata elamba zo chelote. Ye musala na ikaza ka ko gérer libanda. Awo zo kende. Ye ba era ko zonga. Oh. Tu dois bénir ton mari. Tu étais sorti. Abimaki. Tu n'as pas obtenu quelque chose. Côté. Mais moi je crois. Le Dieu d'alliance. Zambo ya boyoka. Le Dieu que j'espère. Zambo na zo salela. Te donnera. Après ça yo. Ce que ton cœur désire aujourd'hui. Tu deviens prophétesse pour ton mari. Okokoma mosakoli pona mobali na yo. Amen. 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 Mi bali boti kape lukuta. Constantin. Na monaka. Téléphone. Oyeki pendant voya moi sur le chéri, tu es où? Hein? Je suis à l'aéroport. Il y a une délégation qui vient de la Chine. Chéri, la délégation à Zolo Baneza, moi si, les Kangunae aïe na ba camarade. La Chine. Délégation. Asa signala li kangu na ya lobi so ki kaka batuni yo so yo ki kamwa sinanga yo banda ko lobako na ki yo hi yo ki kaka batozo ba hi yo mama mwa se bien na yo ki fo ba chinois bi ye wa amen mwa si mobali asa cha kombo ya pasteur na bango pasteur Joseph nzoka nde Caroline azo bengai wana telefone toboka pasteur prédication na limité c'était bon. Shawarma alimete zaki bien. Voilà moi ça dit ah akendo sambela alimete. Basi ba kiza basi ba loba pasteur akenda ko tenir campagne. On a clamé fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi dans une église. Na yango talaka te. On n'entre pas par adhésion.
On entre dans une église par la nouvelle naissance. Si vous entrez par adhésion, vous entrez avec des intérêts. Est-ce que tout ça ensemble? Dans la bateau, bakota ka ba intérêt l'église. Ce qui va ça, c'est le cas liboso basala. Tango koti na intérêt na kati l'église. Tala. Tango koti l'église. Nani? Flora, ouais maman pasteur. Aola qui sa maman pasteur est négaza na bilel. Ma pasteur négaza. A coquine en gâte. Ngakutu. Boron a betioi. Moutouana déjà yé na missionni. Asani. A quoi sa maman pasteur? Libala. Asani. A quoi sa maman pasteur? A quoi sa maman pasteur? Je suis en train de prêcher aussi les hommes de Dieu. Ceux qui ont un moyen, il faut bien habiller ta femme. Hein? Parce que ta femme, c'est ton image. Amen. Vous risquez de servir Dieu avec des complexes. Amen. Le temps où mon mère pasteur a quitté. Il est là. Tala, tu as dit ça. Bible est là que Jésus-Christ a la fin. Il n'y a pas un plus grand sapeur que lui. Et puis, il y a une boucle qui a senti doré. Amen. Na lobi te ke to banda kolati sayo jipao. Doré. Wano komi kangourou. Jezabel moderne. Amen. Ba frère moi ba yango oyibi ba pourquoi ba papa ba koyaka difficilement l'église côté la base. Ba jip. Tango avant de kaboué Saint-Esprit de Nguéya Kabati Caroline Moya quoi exacte Batitide Nayo. Que Dieu vous bénisse abondamment. On acclame ce fort pour le roi de roi. Bien aimé, pour terminer, bien aimé, je ne saurais pas finir avec tous les enfants. Mais ici c'est l'accomplissement, c'est la fête. D'ailleurs, il y a un peu de temps. Bosez. 10 minutes. Est-ce que tout ça ensemble? Après un moment, on a maman, alors, on a un amen. Nous allons chanter la gloire de Dieu. Tous les gens qui ont traversé la mer rouge pour la première fois, nous allons louer les louanges ensemble. Amen. Adorer encore ces dieux-là. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, deuxième réalisation de cette prophétie. Écoutez, bien-aimés. Deuxième réalisation de cette prophétie. Nous... Amen. Amen. La Bible dit, un jour, Israël était en train de partir. Israël a zaki koleka. En train de marcher. Azotambo. Pendant que je suis en train de prêcher, qu'on m'amène rapidement les tableaux parce que je vais brosser pendant 5 minutes. Les tableaux. Où est le tableau? Amen. Amen. Pendant qu'Israël était en train de marcher. Il marchait parce qu'il allait où? Vers la terre promise. Vers son héritage. Amen. Écoutez bien aimé, c'est là où je termine. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Regardez maintenant les tableaux ici, bien aimé. Ça c'est Papa Khan, Khan Nangezawabi. Regardez ici, bien aimé. Pendant que Israël était en marché. Papa, tu as ta bateau à son bon, mais tu as dit, j'ai enseigné pendant un mois et demi. Hein? Enseignement, oui. Ça, c'est à l'intention de nouveaux venus. Amen. Écoutez bien, aimé. La réalisation de cette prophétie. La première réalisation de cette prophétie, j'ai lutté contre ma soeur et j'ai vaincu ma soeur. Israël a vaincu Amalek. Maintenant, deuxième réalisation de cette prophétie, pendant que Israël est en train de marcher, il arrive quelque part à la porte d'une nation. C'était la nation des Moabites. Dans cette nation, il y avait un grand prophète qui parlait aussi de la part de Dieu. C'était Balaam. Balaam, les Moabites, ce sont aussi des parentés d'Israël. Est-ce que tout le monde a dit c'était des parentés d'Israël. Parce que c'était les fils de Lot. À travers l'union de Lot avec sa fille.
Donc c'était de parenté. C'est aussi une nation sœur. Israël arrive devant la porte. On annonce la traversée d'Israël. On va l'annoncer au roi Balak. On dit à Balak, il y a un peuple. Tango basaki ko traverser. Nzambe engloutir toute une armée égyptienne. Maintenant, ils sont devant notre porte. Ils demandent s'ils peuvent traverser. Si toi, le roi, tu peux les accorder cette faveur. Le roi dit, moi, je ne suis pas fort pour combattre ces peuples. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le roi recourt au prophète. On va prendre le prophète Balaam. Lorsque Balaam est arrivé, j'ai beaucoup aimé la réaction du roi. Il a dit ceci au prophète. C'est lui que toi tu bénis est béni. C'est lui que toi tu maudis est maudit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi moi je t'appelle ici. Parce que je sais que tu parles aussi de la part de Dieu. Maudis-moi ce peuple-là. Avant que Balaam aille répondre à cette invitation, Dieu lui avait déjà prévenu en lui disant que ce peuple est béni. Bien aimé, faites attention. C'est lui qui te maudit est maudit. C'est lui qui te béni est béni. Parce qu'après la liberté, tu deviens un peuple béni. Israël, c'était un peuple béni. Dieu a dit à Balaam, tu ne peux pas maudire ces peuples. C'est un peuple béni. Faites attention. Lorsque Balaam, je suis en train de survoler. Lorsque Balaam arrive devant le roi, le roi lui confie une mission. La première chose, Balaam devait maudire Israël. Mais au lieu de maudire Israël, il commence à faire de déclaration. Est-ce que nous devons faire la déclaration? Amen. Amen. Abandi Kosa la déclaration. Les déclarations c'était en faveur d'Israël. Alors le roi était furieux. Il dit, mais comment se fait-il que toi, au lieu de bénir mon peuple et de maudire ce peuple, toi tu commences à les bénir. Viens, je vais te montrer un autre endroit pour que tu les maudisses encore. On l'amène encore quelque part. Il va voir une petite partie du campement d'Israël. Au lieu de les maudire, il commence à les bénir. Il ne voyait qu'une petite partie. La Bible dit que la troisième tentative maintenant arrive. Il monte encore plus haut. Lorsqu'il monte plus haut, il se rend compte que l'ensemble des fils de Jacob étaient dans leur campement. Regardez le campement des enfants d'Israël, de Jacob. Dieu, lorsque vous lisez Nombre 2, 25. Dieu avait donné l'ordre. Ne soyez pas distrait. Il avait donné l'ordre à Moïse. Regardez la manière dont vous allez camper. Dan, Aser, Nephtali, sous la bannière de Dan, vous allez camper au nord. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous plaçons le nord ici. Alors vous regardez ici, Nombre 3, 38. Il dit à Moïse, ça c'est ton campement, toi en tant qu'élève. Il dit à l'ouest, regarde le campement de l'ouest, c'est Ephraïm, Manassé, Benjamin. Les deux sous la bannière, dans le drapeau, sous le drapeau. Donc sous l'autorité de Ephraïm. Ils vont camper à l'ouest. Juda avec les autres à l'est. Ruben, Simeon, Gad au sud. C'est quel signe? De la croix. Le signe de la croix. Lorsqu'il monte très haut, il regarde bien le campement. C'est le signe de la croix. Or, le signe de la croix, c'est là où nous avons la victoire.
Si tu respectes ton campement, les signes de la croix, c'est impossible même que les sorciers puissent les tuer. Alléluia. Amen. Si tu respectes le campement de ton campement, les signes de la croix, lorsqu'il a vu les signes de la croix, bien aimé, je commence par celui-ci. Vous avez Dan. Si je commence à expliquer tous les campements que j'avais expliqués, je risque de passer tout mon temps. Prenons Lévi. Cette partie, c'est les milliers ici. Amen. Ici, vous avez le cœur. Amen. Est-ce que tous ensemble? Voyons qu'a bien aimé Makamboy. Ici, nous avons le cœur à quatre parties. Oreillette gauche, oreillette droite, ventricule gauche et ventricule droite. Qu'est-ce que le cœur font? Qu'est-ce que le cœur a comme mission dans le corps d'une personne? Le corps va recueillir le sang non oxygéné. Il va l'oxygéner et peut le renvoyer dans l'ensemble du corps de la personne pour que cette personne reçoive la vie. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en vie, c'est parce que le sang circule dans notre corps. Mais or le corps, par rapport à la révélation biblique et le cœur, nous avons les quatre évangiles. Quatre. C'est l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, et puis selon Jean. Les quatre évangiles vous parlent de la naissance, de la croissance, et de la résurrection de Jésus-Christ. Et cela donne la vie à tout le corps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Protégé par les côtes. L'homme, ça c'est aussi l'image d'une personne. L'homme a 23 côtes. Les 23 côtes représentent. D'abord, les 23 côtes c'est pour protéger les cœurs. Les 23 côtes représentent les 23 évangiles. À partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, c'est tout 23. Amen. Voilà pourquoi ce qui faisait la force de l'église primitive, c'était la communion fraternelle. Ils suivaient les enseignements des apôtres. Ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup. Ils aimaient leur Dieu. Et c'est ce qui faisait leur force. Et les miracles étaient possibles parmi eux. Alléluia. Même si on amenait des malades, les miracles étaient possibles. Si aujourd'hui le miracle est impossible, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas la communion fraternelle, il n'y a pas l'amour. Les gens ont abandonné les quatre évangiles. Or, dans les quatre évangiles, nous voyons la saine doctrine, la nouvelle naissance, le baptême d'eau du Saint-Esprit, tout ça. Alléluia. Tout ça, c'est la saine doctrine. Les hommes ont laissé la saine doctrine. Ils commencent à prêcher autre chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Jésus a besoin de toi ce matin. Tu ne peux vaincre que lorsque tu es à la croix. En dehors de la croix, vous allez lire l'histoire de Balaam. Le jour où Israël a quitté leur campement, il était devenu le plus faible parce qu'il est allé danser, manger les viandes sacrifiées aux idoles. Lorsque tu viens à l'église, je voudrais te rappeler quelque chose. Ne croyez pas que moi je suis venu ici m'amuser. Moi je suis venu ici te prêcher la parole de Dieu parce que le Seigneur m'a donné mandat. Peut-être tu diras que demain c'est mon jour. Qui te dit que demain t'appartient? C'est le moment de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, tu n'as plus le temps à perdre. Tu n'as plus beaucoup de temps à discuter. Tu passes des moments de futilité. Il y a des gens qui viennent ici à l'église en train de demander des choses inutiles. On m'a dit qu'il y a un frère qui est arrivé à Koumikotou, Nabi Pasteur, Nabi Asalanine, à Terre. Amen. Toi, tu viens ici à l'église pour connaître ma vie privée.
Moi je viens ici parce que j'ai reçu mandat. Le Seigneur ne m'a pas demandé de gagner les hommes. Le Seigneur m'a demandé de gagner les âmes. Le Seigneur a besoin de ton âme. Parce que ton âme coûte très cher. Vous savez, hein, la vie, dans la mort, les échecs, la mort, les échecs, les malédictions sont dans le sang. Le sang non oxygéné. Peut-être que tu viens d'une famille maudite. On avait déjà maudit ton grand-père. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous les Lévis, nous sommes appelés à te communiquer la vie. Interprète à Nyokolinga Lélo. Amen. Nous sommes appelés à communiquer la vie. Les hommes de Dieu ont quitté leur place. Au lieu de communiquer la vie, ils passent tout leur temps en train de demander de l'argent dans l'église. Alléluia. Amen. Des appels de fonds inutiles. Ils cherchent à gagner des hommes. Avoir une grande église avec beaucoup de membres. Dieu ne nous a jamais confié cette mission. Bien-aimé, la foule ne m'impressionne pas. Ce qui peut m'impressionner, c'est la sainteté de cette foule. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous pouvez devenir ici un grand peuple. Une grande église. Sachez que vous n'allez pas m'impressionner. Mais ce qui va m'impressionner, lorsque je verrai parmi nous des hommes et des femmes de Dieu qui servent leur Dieu, qui marchent dans la crainte, qui ont reçu le sang oxygéné, le sang oxygéné va te donner la vie. La bénédiction, les richesses que tu cherches, parce que c'est à travers le sang oxygéné. Aujourd'hui, c'est ton temps. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Notre force réside à la croix. Ni t'étais la croix, on n'allait pas nous réunir ce matin. Moi, je ne sais pas, j'allais me retrouver si c'est à Bunyakiri. Peut-être toi, un féticheur à Kabnyabayong. Peut-être l'autre, un malfaiteur à Maluku, comme l'autre qu'on avait attrapé hier. Mais c'est à cause de la croix que Jésus-Christ nous a rassemblés comme des aigles. Jésus-Christ nous a rassemblés comme des aigles. Parce que les aigles ne mangent jamais des cadavres. Les aigles attrapent une proie, ils tuent la proie, ils mangent la proie et avec le sang. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à travers le sang de Jésus-Christ. Mets-toi debout là où tu es. Aujourd'hui c'est ton jour, bien-aimé. Amen. Aujourd'hui c'est ton jour.